Je crois qu'il coûte 6 balles. Enfin, c'est un truc de fou. Non, c'est... Oh ! Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre et sur la photo de miniature, pour parler Saint-Valentin. Alors, je sais qu'il y a deux camps à chaque fois la Saint-Valentin. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Une vidéo Saint-Valentin où vous allez voir, j'ai sélectionné, donc en collaboration avec Shein, j'ai sélectionné un petit peu de tout. Il y a des vêtements que j'ai déjà essayé, j'ai tout essayé. D'habitude, je fais pas comme ça, mais là, bah, ça change, ça change. J'ai tout essayé en amont, j'ai tout filmé en amont, donc bah, je vous mettrai tout ça, évidemment, à l'écran. Il y a des trucs. Mamma mia. Mais je crois que de tout ce que j'ai essayé, j'aime tout. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Mais avant de parler vêtements, on va parler petit truc de la Saint-Valentin. Enfin, des petits objets qui peuvent servir pour la Saint-Valentin. Et là, pour le coup, je les ai pas regardés, je les ai pas ouverts, donc je vais découvrir avec vous. Et on commence tout de suite, parce que la Saint-Valentin, en fait, je me suis dit, on fait quoi? En général, on dîne. C'est un petit dîner à table et tout ça et tout ça. Et je me suis dit... Une petite nappe, ça peut être sympa. Après, comptez pas sur moi pour vous faire des nappes avec des cœurs, des pétales de rose, des pétales de machin. Non, c'est pas le jour de la maison. Et quitte à choisir une nappe, je suis partie sur cette nappe-là qui me semblait très jolie en photo. J'aime bien, écoutez, elle me paraît immense, mais moi, sur ma grande table du salon, ça ira parfaitement, ou même sur une table de jardin, parce que j'ai pas pris une nappe que pour la soirée de la Saint-Valentin. Forcément, ça sera une nappe pour d'autres occasions, hein, j'achète pas un truc pour une occasion, à part les pulls de Noël que tu portes qu'à Noël, et encore. Voilà, j'ai choisi cette nappe-là, et c'est vrai que je trouvais le style un peu sympa. Récemment, j'ai commandé des couverts en bois, comme chez Zara Home, là, vous savez, donc vous pouvez avoir un thème un petit peu comme ça, bois, avec des assiettes blanches, ou de couleur. La fille qui essaye de dire un truc, mais en fait, je sais pas du tout comment, mais j'essaye de trouver des idées, mais là, tout de suite, je trouve pas. Si vous tombez pour la première fois sur ma vidéo, vous allez vous dire, mais celle-ci, elle est complètement tarée. Non, j'en sais rien. Mais j'imagine que j'arriverai à mettre plein de styles différents au niveau des assiettes et tout ça. Je la trouvais vraiment sympa et elle a l'air d'être immense. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris comme... Parce que même plié comme ça... Alors, attendez, vous savez, moi, longueur de bras au niveau de la largeur. Et au niveau longueur... Parce que là, elle est pliée en deux. C'est longueur de bras fois deux. Non, mais c'est pratique. Ça permet de se rendre compte. Donc là, franchement, au niveau du look, je suis pas du tout déçue. J'aime bien ce côté un petit peu rayé et tout ça. Donc écoutez, c'est sympathique. Ça fera une petite nappe. Sympathique en amoureux. Ensuite, je me suis dit, Saint-Valentin, c'est quoi en général? En général. Fleurs. Bouquet de fleurs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouloulou, loulou, il faut savoir que moi, ma fille, elle adore les Lego, et Lego a sorti bouquet de fleurs en Lego. Ma fille adore, elle l'a acheté, elle l'a monté, elle a mis ça dans sa chambre, elle adore, et quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au bouquet de fleurs en Lego de la marque Lego. Alors forcément, ça, c'est pas la marque Lego, c'est la marque Lose Mini, j'en sais rien, avec donc Eternal Flower. Aïe, Edgar, le gros pépère est toujours là. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors là, franchement, c'est tout à monter. Donc il y a plein de trucs comme ça. Il y a un autre sachet de trucs comme ça. Ma fille va kiffer. Ma fille va kiffer ça. Il y a un troisième sachet avec ça. Et bah, j'imagine que le reste, c'est la notice. Hein. Et après, t'as la notice. Au nom de Dieu. Il y a des pages. Il y a des pages et des pages. T'as 28 pages. Alors là, t'as de quoi faire. Mais t'as la notice pour monter tout ça. Et ça te fait un bouquet de fleurs éternelles. Bon, là, je vais pas le monter maintenant. Je vais même pas le monter demain. Je vais le donner à ma fille. Et elle a la patience. Elle kiffe faire ça. Donc, j'imagine qu'il sera monté avant de publier cette vidéo. Et je vous mettrai la photo ici. Clac, clac. Comme ça, vous verrez si c'est bien ou pas. Je vous mettrai mon avis à chaque fois, bien ou pas. Si vous avez autour de vous des gens comme moi qui aiment les trucs en Lego, ça peut être sympathique. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, parce que je me suis rendu compte
que dans les trucs de Saint-Valentin, j'avais quand même pris pas mal de choses pour moi, pour être jolie, pour la Saint-Valentin, les machins, les bidules. Je me suis dit, on va quand même prendre un truc pour les gars, un truc pour mon gars. J'ai voulu prendre une pochette, vous savez, qu'on met en bandoulière comme ça, pour mettre plein de papier et tout ça. Pierre en a une assez grosse, ça fait un peu comme un sac bandoulière, je sais pas comment expliquer ça. Soit qui colle au niveau du dos, soit qui colle au niveau du torse. Ça paraît bizarre comme ça, mais il est bien son sac. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait également le faire pour Pierre. Alors je sais pas ce qu'il va en penser. Ah oui, il y a deux couleurs. Il y a une couleur un peu gris clair, une couleur un peu gris, noire, pas gris foncé, mais noire. Il y a une grosse fermeture, il y a plein de pochettes, hein. Il y a une grosse fermeture, une pochette ici, un zip ici avec une poche. Il y a une autre ouverture, parce que j'ai l'impression que c'est épais. Pourquoi c'est épais? Ah oui, donc il y a une autre ouverture devant, une autre ouverture ici. Et donc, une fois que c'est fermé, vous le portez en bandoulière comme ça, là. Vous voyez? Bon, là, vous voyez rien, mais... Bon, un peu plus lâche, parce que là, c'est un peu trop serré. À porter comme ça. Au niveau de la matière, ça fait un peu gomme. J'aime bien la matière. Ça fait pas du tout plastique ou quoi que ce soit. Ça fait très peau de pêche, vous savez, ça fait tout doux. J'aime bien. Et eh ben, écoutez, je pense que ça peut être sympa quand on va se balader, même avec Bob et tout ça. Tu mets ton téléphone, des clés, des papiers, avec un look très décontracté, un jean. Voilà, un look décontracté, ça peut le faire. Je suis très contente parce que franchement, je m'attendais pas à une qualité aussi sympa au niveau de ce produit-là. Et j'entends Bobino qui arrive. Ensuite, et après on va passer aux vêtements, j'ai vu un coffret avec des bougies et je me suis dit, ben, pour la Saint-Valentin, ça pourrait être sympa, même à offrir et tout ça. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça pouvait être pas mal. J'avais déjà vu ce genre de choses sur Shein, mais j'ai jamais commandé parce que je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et tout ça. Puis là, comme c'était le thème de la Saint-Valentin, je me suis dit, ben, c'est l'occasion pour tester et voir un petit peu ce que ça donne, ce genre de choses. Ça se présente comme ça, c'est vraiment un coffret avec un petit nœud, une boîte. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Specially for you. Il y a un nœud qui ne s'enlève pas, donc on va l'enlever comme ça, Delphine. Et à l'intérieur, ça s'ouvre comme ça. Ça sent bon. Il y a une protection ici pour pas que ça se casse. Une petite carte. Oh, c'est pas mal quand même. Une petite carte. Voilà, vous pouvez écrire un petit message à la personne à qui vous offrez le coffret, sympathique. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une tasse, une petite cuillère, une bombe de bain et un parfum. Qu'est-ce que c'est? Attendez, en fait je pensais que c'était une bougie, mais c'est pas du tout une bougie. Je dis de bougie depuis tout à l'heure, je sais pas, j'avais en tête la bougie, mais c'est pas du tout une bougie, c'est vraiment un mug. Ça sent la rose de ouf. Le mug se présente comme ça, clac clac clac, avec un petit capuchon pour fermer et tenir au chaud. Et vous avez la cuillère qui va avec. Donc vous pouvez mettre votre petite cuillère dans votre mug, hop, comme ça, ça fait le truc. Alors le couvercle tient pas des masses, hein. C'est le truc juste à poser. Faut quand même faire gaffe parce que tu peux vite le faire tomber. Dedans, tu as, c'est ça qui sent de ouf, non, c'est pas ça. Il y a une bombe de bain et t'as ce genre de truc là. Mais si, c'est ça la bougie. Ah bah oui, je savais qu'il y a une bougie. Et donc tu as une petite boîte comme ça avec à l'intérieur, ah c'est ça qui sent. Avec à l'intérieur une bougie. Bah écoutez, pour le prix de l'ensemble, je trouve que ça peut faire un cadeau sympa, même pour un anniversaire et tout ça. Je pense que ça peut vraiment le faire. Bon là, je l'ai pris moi dans l'esprit Saint-Valentin et tout ça, la petite bougie sur la nappe, le petit mug, le machin, la bombe de bain à deux, et tout ça et tout ça. Mais ça peut faire joli. Et franchement, ça sent très très bon la rose. Pourtant, je suis pas très odeur de rose, mais ça sent très bon. Voilà, ça c'était pour tout ce qui était petit objet et tout ça. Et maintenant, on va passer aux articles vêtements. Et j'ai à vous montrer deux robes. Je me suis dit, Delphine, Saint-Valentin, même si j'ai pas l'habitude de mettre des robes, vous savez, dernièrement, j'ai essayé des robes, je me suis pris une paire de bottes hautes, je me suis dit, on va prendre des robes pour aller avec les bottes. J'ai pris des petits pyjamas, j'ai pris de la lingerie. On commence directement avec la première robe qui se présente comme ceci. J'ai pris une taille M pour mon M habituel. C'est une robe longue dans les tons de grenat avec des petites taches comme ça. Elle est avec une taille élastiquée, donc au niveau du confort, comment vous dire qu'on est hyper bien. Moi franchement, pour mon M, je suis
hyper bien dans cette robe-là. Elle est assez longue et franchement, je trouve qu'elle est très sympa, qu'elle rend très bien avec la petite paire de bottes que j'ai essayé là, que je vous mettrai en, en vidéo. Je trouve que ça fonctionne bien. Elle fait un très très joli décolleté. Ça va être la même chose pour l'autre robe. Je trouve qu'elle fait un très joli décolleté. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de robe que vous pouvez porter l'hiver avec des bottes, une paire de collants, une veste, un manteau, etc. un peu chaud, et en demi-saison avec des chaussures un petit peu plus légères, jambes nues. Enfin, c'est vraiment le, la robe oui, que vous pouvez porter à plusieurs saisons, donc ça j'aime bien. Même l'été, quand il fait un petit peu frais le soir, avec les petites manches longues en Bretagne, c'est jamais les grosses grosses chaleurs le soir, donc vous voulez sortir, être sûr de pas avoir trop trop froid, vous mettez une petite robe à manches longues comme ça, légère. J'aime beaucoup, franchement j'ai été agréablement surprise de cette robe. Je trouve qu'elle est très sympa et je trouve qu'elle me va bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est... Franchement, je la mets dans un coup de cœur parce que je trouve qu'elle est très bien. Donc là, franchement, je vous la conseille et je vous conseille de prendre votre taille, la taille habituelle. Deuxième robe, et là franchement c'est encore plus un coup de cœur que la première, c'est une robe que j'ai pris également en taille M. Elle se présente comme ceci, je sais pas si c'est dans les Frenchie, ouais c'est ça, c'est dans la gamme de vêtements Shein Frenchie, et là franchement la robe elle est trop trop jolie. Pourtant, pourtant je ne porte rarement, même jamais, jamais de bleu marine, mais là le, la couleur bleu marine avec les sortes de petites taches rouges, roses, orangées et tout ça, je trouve que ça fait joli. Il y a les petites manches volants, j'aime bien. Au niveau du décolleté, je trouve qu'elle fait un super joli décolleté. Il y a un petit bouton au niveau des, de la poitrine que vous pouvez fermer, mais je crois que dans la vidéo, je ne l'ai pas fermé avec le bouton et je me suis dit que j'allais juste faire un petit point peut-être un peu plus bas parce que la fermeture me semble un petit peu trop. Je sais plus, mais écoutez, j'aime beaucoup. La taille est élastiquée aussi et elle est vendue avec une ceinture comme ceci et je la trouve vraiment très sympa. Elle est très ouverte, alors pareil, je pense que je ferai un petit point au niveau de l'ouverture de la jambe, parce que s'il y a un coup de vent et tout ça, t'es un petit peu à l'air, même s'il y a une sorte de petit jupon, petite doublure on va dire, parce que jupon j'ai l'impression d'avoir 102 ans, donc tu risques pas non plus d'avoir les fesses à l'air, mais quand même un petit point pour pas qu'on voit la doublure. Mais franchement cette robe là je la trouve hyper hyper jolie et ça je sais que je la porterai, mais ah là là, les changements de batterie en plein milieu de vidéo. Je disais donc que cette robe franchement je vous la recommande à 1000%. Prenez votre taille, on est hyper bien dedans. Vous savez que moi c'est, et il faut que je sois à l'aise surtout dans une robe, un truc un peu féminin, moi c'est vraiment, il faut que je sois aussi à l'aise qu'un jean, et là c'est le cas, cette robe elle est topissime. Ensuite, j'ai voulu prendre un pyjama. Vous savez, les pyjamas un peu style Victoria's Secret, ils se présentent comme ceci. C'est un pyjama en deux pièces. Il y a une sorte de petite veste en haut et un pantalon en bas. Au niveau de la taille, j'ai pris une taille L, c'est-à-dire une taille au-dessus de ma taille habituelle. Et au niveau du look, pareil, j'aime beaucoup. Il y a un petit liseré au niveau des manches, un petit liseré au niveau du tour de, du col et un liseré au niveau des pieds. La taille du pantalon est élastiquée et franchement, je trouve ça hyper joli.
midi. Je trouve qu'il tombe bien. Une petite poche sur le devant. C'est pas un pyjama qui va vous tenir hyper chaud, mais encore une fois, on s'en fout, hein, c'est le thème de la Saint-Valentin. À la limite, si vous le mettez un autre jour, vous mettez un petit... Moi, j'ai un long gilet blanc que je mets un petit peu en maille par-dessus quand je suis en pyjama comme ça. La couleur, elle est hyper jolie. Je l'aime beaucoup. Il y a un côté un petit peu satiné et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce pyjama. Et j'ai pris un lot de 3 pyjamas. Alors j'en ai essayé que un en vidéo parce que après c'est juste une question de couleur, mais sinon la forme est exactement la même. Là j'ai pris une taille, elle aussi une taille au-dessus de ma taille habituelle, et c'est en 2 pièces, un petit haut et un petit short. Il faut pas s'attendre à une matière de ouf et tout ça. Il y a un côté un peu, vous voyez, qui fait un petit peu de bruit, je sais pas comment vous dire. Je sais pas, ça me faisait pas pareil avec le rose. Mais au niveau du look, je trouve que ça le fait bien. Quand t'as pas envie de te mettre en pyjama long, etc., je trouve que c'est une bonne solution d'avoir 2 pièces. Alors, il y en a qui peuvent dormir avec. Moi, je dors sans rien, donc c'est pas pour dormir. Mais j'aime bien quand je me lève le matin, je me mets en ce que j'appelle en mou, en pyjama. Et ces 2 pièces, elles sont sympas. Il y a une couleur, donc celle que j'ai mis en caméra, enfin celle que j'ai portée tout à l'heure pour le tournage, c'est cette couleur-là, qui a un peu un rose un petit peu soutenu. Et vous avez 2 autres couleurs avec un rose un peu plus clair comme ceci. Alors les deux, hein, c'est assez satiné, c'est assez brillant. Il y a un rose un petit peu plus clair comme ça avec les petits liserés noirs. Et puis un autre rose qui fait un peu plus framboise. C'est peut-être la couleur que j'apprécie le moins, qui se présente comme ceci. Où là, je trouve qu'il y a un côté un peu vieillot. Je sais pas, bon, je le mettrai, hein, mais c'est pas forcément la couleur qui me plaît le plus. Mais les 3 ensemble, vu le prix, si vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir 3 petits ensembles de pyjama avec un short, je trouve que c'est vraiment très sympathique. Ensuite, on va passer à la lingerie. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai filmé de A à Z en vidéo parce que j'ai pas envie d'être en sous-vêtements sur YouTube. Je vous mettrai peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il faut que je regarde ce que ça rend. S'il y a rien, bah il y a rien. Sinon, il y aura peut-être que quelques petits planchouilles, planchounous, pour essayer de vous donner une idée. Mais ben, sinon, faites-moi confiance. Je peux pas vous dire plus. J'ai pris un ensemble rouge qui est, mais je vous assure, il taille mais impeccablement bien. Il est tellement bien que j'ai recommandé le même que j'ai pas encore reçu. J'ai recommandé le même en violet et en noir. C'est les 2 autres couleurs qui existent sur le site. J'ai pris les 2 autres couleurs. Donc il y a un petit bas. Faut que j'enlève les étiquettes, hein, parce que ça, franchement, c'est atroce, mais j'ai pas eu le temps. Donc le bas se présente comme ceci. C'est un petit string et puis il a des petits crochets comme ça de part et d'autre. Il est, franchement, il est nickel. J'ai pris une taille M en sachant que je fais un 38, enfin un M en bas, et en haut je fais un 95C, et il taille mais nickel, et en haut et en bas. En bas, de toute façon, même si c'est plus petit, trop grand, machin, vous pouvez le régler sur les côtés. Et en haut, il se présente comme ceci. Alors attendez, il faut peut-être que je l'attache derrière pour vous donner une idée. Alors pareil, hein, il faut que j'enlève l'étiquette blanche qui fait atroce. Franchement, j'ai été assez étonnée vu le prix. Et en haut, il se présente comme ceci. Et franchement, mais il est magnifique.
magnifique. Il a pas un soutien, tu vois. De toute façon, tu vas pas faire du sport avec ce genre de choses, hein. Soyons clairs. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très bien. Je vous dis, j'ai pris deux autres couleurs comme ça. Foncez, parce qu'en ce moment, c'est les soldes sur Shein. En plus, avec mon petit code, là, je pense que vous aurez aussi moins cher que moins cher. Avec Ygral, vous aurez moins cher que moins cher. Donc, franchement, mettez tous les trucs pour réduire le coût. Et il est très très bien avec bretelles réglables et tout ça. Enfin, il y a les armatures et il y a le côté un petit peu corbeille. Mais je vous assure, il est trop, trop, trop joli. Et je crois qu'il coûte 6 balles. Enfin, c'est un truc de fou. Un truc de fou. je peux que vous le conseiller. Après, mesurez-vous bien et tout ça. Mais je le trouve vraiment mais impeccable. Il englobe bien. Il fait une poitrine du feu de Dieu. J'adore. Ensuite, un autre ensemble que j'ai pris, là c'est un ensemble 3 pièces, il y a le soutien-gorge, la culotte et le porte-jartel. Le soutien-gorge, alors ça je sais que ça va être on aime ou on n'aime pas, on aime ou on n'aime pas. J'avais acheté un peu le même genre de sous-vêtements chez Undies, ça m'a fait penser à ça. Et il se présente comme ça, alors là j'ai pris une taille L, il est tellement, tellement, tellement joli, je vous assure, il fait hyper hyper beau sur le corps. Enfin, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Pareil, il enveloppe bien la poitrine et il fait une super jolie poitrine. Au niveau de la culotte, ça se présente comme ça. J'ai pas encore eu le temps, encore une fois, ni là d'enlever les étiquettes. Il se présente comme ceci. Sur les côtés, il y a deux petites lanières. Les lanières sont réglables au niveau du bas si vous avez besoin de plus ou moins régler. Le petit truc, c'est qu'il est peut-être un chouille pour moi un petit peu large au niveau du devant, mais franchement pour le prix, l'ensemble est tellement joli que je vais pas faire la fine bouche. Et puis vous avez le porte-jartel aussi qui se présente comme ceci, qui est vraiment dans la lignée de l'ensemble avec les petits zigouguis en bas pour faire tenir vos bas. Je le trouve pareil hyper joli. Dernière pièce que j'ai pris. Alors je l'ai pris parce que c'était le thème de la Saint-Valentin. Je voulais, quand je l'ai vu, je me suis dit voilà, il y a le côté un petit peu sexy et tout ça. Je vais prendre ça, mais franchement, je ne m'attendais pas à aussi joli. C'est un déshabillé. Oui, je pense qu'on appelle ça comme ça, un déshabillé rouge. Alors là, je vais vous le défaire. Ça va pas vous parler. J'ai essayé de filmer. Je vais voir ce que ça va donner au montage, ce que je peux vous montrer en plan ou pas, parce qu'il est quand même hyper transparent. Mais je le trouve très très beau. Il y a des manches, enfin au niveau de la dentelle, c'est trop trop joli. Vous mettez ça avec un petit sous-vêtement en dessous, le petit sous-vêtement rouge que je vous ai montré tout à l'heure, c'est hyper beau. Vous avez un petit lien à l'intérieur pour bien fermer le déshabillé et vous avez une ceinture pour fermer l'ensemble du déshabillé une fois que vous l'avez mis. Il est trop joli, il est assez long, ça j'aime bien au niveau de la longueur du déshabillé, il est assez long et je trouve ça mais trop joli. Franchement, je m'attendais pas à avoir une pièce comme ça sur le site de Shein parce que j'aime beaucoup et ça pareil, je le porterai parce que c'est quelque chose que je trouve très très beau, ça je vous le conseille à 1000%. Ça c'est un coup de cœur, hein. Ça c'est un énorme coup de cœur avec la lingerie que je vous ai montré, ça c'est un énorme coup de cœur, j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais commandé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si, je sais pas, donnez-moi votre avis sur les robes, sur tout ce que je vous ai montré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds, je vous ai entendu le dire d'ici. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.